C'est un plaisir là. Et en plus, il fait beau aujourd'hui. Donc, c'est la première fois? Non, je suis venue déjà l'année dernière. Avec l'école et aussi avec, avec mes enfants. Je pense pour les enfants c'est très facile parce qu'ils sont très bas et ils ont moins de peur comme des adultes. Et pour lui c'est normal de tomber, il n'y a pas de problème quand il tombe, c'est normal, il tombe toujours. Et pour les patinoires c'est quelque chose de différent et il y a beaucoup de joie quand il fait les patinoires, il est oublié. De faire peur normalement, je pense. Oui. Il y a des enfants qui n'aiment pas du tout. Il y a des enfants qui ont peur, mais je pense éventuellement avec un peu de practice, il va prendre l'habitude de faire les patinoires beaucoup mieux et ils perdent leur peur. Moi je suis de Vincennes, voyez, on a une patinoire à Vincennes. Mais c'est pas si beau que là. Ah, c'est pour le Père Noël en fait que vous êtes venu ici. Oh, c'est magnifique, pour les enfants. Une télécommande. Voilà, une télécommande. L'ordinateur. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Maintenant, c'est beaucoup plus moderne. Il y a les skidou, il y a tout un tas de matériel. Mais à l'époque, on se déplaçait comme ça et en traîneau, bien sûr. On entrait la patinoire. Les rennes sont au repos. Hein, puisqu'il y a de la place aux autres Vincennes, on les a mis là-bas. J'ai une quinzaine de rennes et une quarantaine qui sont en rotation. Et le traîneau est rangé, mais je ne dis pas où. Parce qu'il faut être prudent. Avec lui.